un coin de Bretagne aux allures d'île de Pâques. Depuis 2008, des statues monumentales se dressent une à une sur cette colline, chacune à l'effigie d'un saint breton. Ce qui s'est imposé, c'était tout simplement d'en faire des statues menhirs, où on était dans la tradition bretonne, et puis d'en faire des statues un petit peu hors normes, de 4 à 5 mètres de haut. Notre ambition, c'est de faire un millier de statues menhirs, donc quelque part, c'est une île de Pâques bretonne. D'immenses blocs de granit et un cahier des charges plutôt souple. Un mois pour représenter un saint, son visage et son attribut. Pour le reste, les artistes sont entièrement libres, de quoi attirer les sculpteurs du monde entier. Ça m'impressionne, c'est vraiment essayer de faire quelque chose de majestueux dans un immense bloc en peu de temps, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Et ça impressionne. C'est le défi, en fait. Le défi est intéressant. Ça va valider le sang, c'est pas aller pour la sculpture, surtout. La sculpture en granit, la sculpture monumentale, alors là, c'est quelque chose, pour nous, c'est très important, en tant que sculpteur. Le site compte aujourd'hui 94 statues et pour atteindre l'objectif de 1000 totems, il faudra probablement encore une cinquantaine d'années et de nouveaux sculpteurs pour reprendre le flambeau. Il était indispensable qu'on forme des jeunes. Et donc maintenant, on a formé une dizaine de jeunes sculpteurs et on va officialiser la création de cette école de sculpture probablement en 2019. C'est assez unique en fait, hein, a priori, on ne connaît pas d'autres projets aujourd'hui en Europe sur la sculpture monumentale comme ça. En 2018, la Vallée des Saints accueillera sa 100e statue. Une sculpture taillée dans les Cornouailles anglaises qui franchira la Manche à bord d'un vieux gréement.